just can't. Everything is just fucking goddamn fucking up right now, man. I can't move because the thing, my thing's not reloading. The guy jumps over the fucking king. I can't fucking move. I'm fucking getting fucking. Donc la peau d'Anastasia Beverly, du coup j'ai une teinte trop suicide, donc c'est une teinte blanche et c'est une teinte qui me correspond on va dire un tout petit peu plus. Mais juste la Anastasia Beverly, il y a 25 grammes dedans, je sais plus du tout combien elle coûte, je vous mettrai le prix à l'écran. Mais en tout cas, il y a... Je profite vraiment de faire cette vidéo parce que, en fait... Au-dessus, il y a des travaux depuis qu'on est arrivé. En gros, l'appartement n'est pas occupé. Par contre, la journée, l'appartement en fait est en travaux. Donc je pense qu'ils sont en train de le refaire à neuf pour pouvoir le louer. Qui est plutôt cool parce que je pense que du coup ça va être des gens jeunes. Whoa, I can't see this guy, bro. God. Bro, are they fucking cheating down? I mean, goddamn! Application, et c'est pas tous les phares du Tibet, c'est un style de phare en particulier. Donc j'ai pris cette palette, parce que c'est la dernière que j'ai reçue, c'était la plus proche de moi. Mais c'est pas forcément que cette palette, hein, c'est... à peu près les palettes Beauty Bay dans l'ensemble. On est d'accord pour dire que Beauty Bay c'est une très bonne marque, que les fards mat sont hyper pigmentés, ils sont trop beaux, etc. En plus de ça, ça coûte pas cher, enfin franchement rien à dire. Et c'est absolument incroyable. Et quand j'ai vu le produit comme ça, je me suis dit oh, attends, exactement le même packaging. Genre le produit transparent, pareil. Je me suis dit oh, ça va être la même chose. Vraiment dans ma tête c'était l'explosion, le feu d'artifice, le Duke Beauty Bay, ça va être incroyable. Et en fait c'est juste un savon qu'on mélange avec de l'eau. Et j'étais trop dégoûté parce que j'ai horreur des savons qu'on mélange avec l'eau. D'une, parce que je trouve ça compliqué à travailler, il faut prendre 5 minutes de son temps déjà juste à